Alors donc, là, vous faites une coiffure donc spéciale mariage, c'est oui. ça Oui. Pour le défilé, en l'occurrence, aujourd'hui. Oui. Et expliquez-moi un petit peu, vous glissez quelques paillettes, c'est ça? En fait, j'ai du gel avec de la paillette. Pour moi, le cheveu, c'est comme un second bijou. Donc, du coup, je le sublime avec des paillettes parce que les femmes, elles aiment bien quand ça brille. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, on peut le voir, lorsque des lumières, ça brille dans tous les sens. Et ça donne du relief. Comme elle a un cheveu qui est châtain clair, en fait, le fait d'apporter des paillettes ou un autre effet de lumière, c'est un peu la mode actuellement de mettre des lumières dans les cheveux. On aurait pu mettre du rose, du bleu, du violet. C'est la mode actuellement. Donc du coup, pour pouvoir faire ressortir mon coiffure, j'ai décidé de lui faire des effets de lumière dans ses cheveux. En fait. C'est du domaine de la coiffure, mais également du domaine de l'esthétique. Hein, des deux côtés un peu. Oui, voilà. Hein voilà. Après, c'est aussi artistique aussi. Et avoir de l'imagination et ne pas se donner des limites, en fait. C'est ça. Vous jouez avec sa chevelure, avec son teint. Voilà. Et en fait, ça permet aussi de mieux découvrir la coiffure, parce que sinon, ça crée un bloc avec une lumière. Et avec les photos aussi, donc ça peut montrer aussi aux futurs mariés qu'on peut. On n'est pas obligé de mettre comme avant des petites perles rondes crasses. On peut mettre un peu aussi jouer comme ça avec la lumière et avec des paillettes, ça peut se faire. Donc tout est possible. À partir du moment où on a l'imagination ou des envies. Tout à fait, tout à fait. Et là c'est vrai, en plus c'est rapidement fait, hein, relativement rapidement quand même. Hein. Moi, je travaille avec un pinceau pour la peinture.